Depuis très jeune, j'ai eu, à travers cet environnement, mais pas dans ma famille, sinon dehors de ma famille, qui menait pas mal vers les choses artistiques. J'aimais faire de l'aquarelle, de la façon que je pouvais la faire. Et je me suis inscrit à l'école des arts et des matières, l'école industrielle, comme on disait exactement à Barcelone, et pour être, c'est ce qu'on appelle, ornementiste. Et ça me plaisait de travailler le bois dans ce sens-là. Or, il s'est avéré qu'au premier cours, je me suis rendu compte que si toute ma vie devait faire des petites feuilles, des petites roses, toutes ces choses-là, il y avait un répétitif tellement, tellement important que j'ai demandé au professeur, parce que lui modélait, lui est en train, je me rappelle, de faire une sculpture. Et je lui dis, mais quand pourrais-je faire la sculpture, comme vous dites? Et sinon, on me dit, vous ne pouvez pas faire autre chose que toute leur ornementation, et ça sera comme ça.